إذا السلام عليكم لكل متابعين قناة أخبار الفرج المغربية. اليوم غادي نصادفوا أول المؤسسين بالمغرب ديال سيزام، وغادي نحاولوا نتقربوا منه أكثر ونعرفوا الاسم ديالو الكامل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما مون نون سي كامارا عمر بايلو دي لا ناسيوناليتي غينيان ancien boursier de l'État guinéen. Je suis venu au Maroc en 2011 dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la Guinée-Conakry. Donc j'ai fait ma formation ici, j'ai fini la formation, maintenant je travaille. En ce qui concerne la CESAM c'est la Confédération élevée des stagiaires africains au Maroc. Son siège national se trouve à l'Agence marocaine de la coopération internationale. Donc ici je parle au nom de la CESAM en tant qu'ancien, parce qu'il y a le bureau de la CESAM actuel, mais je parle en tant qu'ancien de la ville de Kenitra. Donc la CESAM en son sein regroupe l'ensemble de la communauté estudiantine, toutes les communautés. En son sein il y a 35 associations à l'époque, maintenant je ne sais pas s'il y a eu d'autres qui se sont complétées pour donner plus de 40 associations. Donc les activités principales c'est les activités scientifiques, culturel et sportif. Ils organisent chaque année des activités sportives, c'est-à-dire la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations estudiantine. Et après, on organise aussi des journées scientifiques au niveau parfois Baladia ou au niveau de la faculté Ibn Tufel. Donc, on fait aussi des sorties pour aller faire des visites touristiques, surtout plus particulièrement dans la ville de Ifran pendant le mois de février. Donc, en ce qui concerne le cas que moi j'ai vu, mes expériences ici au Maroc, alhamdoulilah, que depuis je suis là, je n'ai pas de problème. Là où j'habite, je n'ai pas de problème avec les voisins, je suis bien intégré, je n'ai pas de soucis, donc tout évolue dans les meilleures conditions. Mais de passage, il faut signaler, on a eu plus de connaissances, plus de renforts. Ils nous ont renforcés ici à un moment donné, ici au Maroc, surtout à Kenitra, lorsque Madame la Wali était venue ici, Madame Zainab Adawi. Madame Zainab Adawi, elle nous a beaucoup honoré ici à Kenitra. C'est elle qui nous a aidés à rencontrer toutes les autorités. Donc vous pouvez imaginer la présidence au niveau de la faculté, le préfet de police. Si on avait le problème de carte de séjour, si pour certains étudiants, si on lui donne les doléances, il règle le problème sur le champ. Donc c'est à travers ça que nous gardons de bons souvenirs pour les autorités marocaines, plus particulièrement ceux qui sont dans la ville de Kenitra ici. Plus particulièrement aussi M. Samir, je pense jusqu'à présent il est en fonction parce que je ne le vois plus. Il est au niveau de la province, le chef de cabinet, ce qui concerne, ainsi de suite. Donc nous saluons tout le monde. Et le Maghreb, ici, moi, pour la petite histoire, normalement je ne devais pas venir au Maroc dans le cadre des études. Je devais être en Ukraine. Mais lorsqu'on m'a dit que je dois venir au Maroc, ils ont changé pour l'Ukraine. J'étais content parce que c'est un pays où on a beaucoup d'estime chez nous. Quand tu dis que tu viens pour les études au Maroc, les gens te donnent plus de considération et puis c'est un pays d'accueil. Bon, il y a des cas isolés, mais on ne peut pas prendre ça, donner ça au nom de tout un pays. Donc, moi, si on me demande dans les pays maghrébins, je préfère le Maroc. Je préfère le Maroc, je suis bien intégré, je travaille, j'ai ma famille ici, le quartier là où je loge. Si je sors Oumar, c'est comme si je suis à l'aise ici. Donc vraiment nous remercions les autorités. Moi j'ai fait normalement, j'ai 3 diplômes. J'ai fait d'abord, j'avais la licence en exploitation minière chez moi en Guinée. Ici je suis venu, j'ai fait l'ISTEA, on m'envoie l'ISTEA, j'ai fait commerce. Et après je me suis recyclé pour faire logistique et transport. En même temps lorsque je faisais logistique et transport dans une école privée, j'ai donné des cours. Et par la suite maintenant je suis gérant associé. Nous sommes deux. On a créé une société, ça fait 3 ans, qui est spécialisée dans tout ce qui concerne le détergent. Tout ce qui est détergent, c'est-à-dire Sanicroix, Javel, savon liquide, tout, on travaille et je suis bien. Non, le 2 diplômes à Kenitra, 1 diplôme en Guinée. Ok. Le diplôme, l'awel, quand en Guinée.
Oui, oui, les deux autres, c'est ici. Mais ce que je fais actuellement, ça n'a rien à voir à ce qui concerne ce que j'ai dit. Mais quelque part, le commerce, en ce qui concerne la gestion et le marketing, c'est un peu lié. Donc, je suis bien établi, bien, je n'ai pas. Vous êtes dans le Maghreb, avec la famille de votre famille. Qu'est-ce que vous avez d'enfants? J'ai dit un. واحد ما شاء الله oui, il a deux, un mois, deux semaines. Il s'appelle Suleiman. ما شاء الله سليمان إذن مسلم. Oui, oui. ما شاء الله. Donc, شنو تبغي تقول يعني المغاربة ككل خوتكم المغاربة شنو الميساج اللي تبغي تعطينا؟ Bon, ici moi le message que je vais lancer à nos frères et sœurs marocains, c'est de continuer à bien donner l'image du Maroc. Au 21e siècle, maintenant, tout est digitalisé. Moindre des choses, c'est l'image. C'est l'image qui est gâtée. Donc, la population doit continuer dans ce sens. Aider le gouvernement vraiment à bien gérer la gestion des étrangers ici au niveau du Maroc. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, le Maroc c'est le Maroc qui détient l'observatoire. L'Observatoire africain de la migration, son siège se trouve au Maroc ici. Donc cela veut dire qu'il a une place de choix au sein de la communauté africaine, dans l'ensemble. Donc il va falloir vraiment que la population essaye de comprendre. Bien sûr, il y a des cas isolés, mais ces cas isolés, on ne peut pas les généraliser, dire que c'est l'État. Tant que l'autorité ne se déclare pas, toujours il y a des problèmes un peu partout, c'est logique, c'est normal, et on fait avec. Donc vraiment, nous vous remercions infiniment pour votre accueil et continuez dans ce sens. Et on vous présente les excuses parce qu'il y a parfois des cas isolés où on ne peut pas contrôler. C'est la vie. Donc chacun est l'ambassadeur de sa famille. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc on vous lance vraiment ce message de fraternité, de solidarité inter-africaine. Parce que vous êtes aussi au nord, nous sommes tous les Africains. إذن إحنا بالدور ديالنا تنقولوا لك أنت وسط البلد، أنت في البلد ديالك الثاني وسط العائلة ديالك. الحمد لله إحنا خوت. شكرا. يعني نقولوا إحنا خوة خوة. إحنا اللي كنا بقى لنا خوة خوة خوت. خوت الحمد لله. ما كاين مشاكل ما كاين. لا ماشي ما عنديش المشاكل. الحمد لله. أنا دابا 12 سنين 12 ans je suis au Maroc je n'ai pas de problème. قولي مشي كلمة بالعربية. ولا بالدارجه المغربيه الدارجه المغربيه انا شنو نقول دابا سكسبيلا تيوليولا ما ياوني ما قتلوني سبق الميم طرشا ما شفت ما عرفت ما فهمت سبق الميم ترتاح سبق الميم طرشا ولكن في الحق في الحق الحق شكرا شكرا لك